Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre Let's Play Life Strange Through Colors. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour attaquer le troisième chapitre sur les 5 chapitres du jeu. On arrive à la moitié bientôt. Life Strange Through Colors qui nous a proposé jusque là un chapitre dans lequel Alex, après 8 ans de séparation avec son frère, revient à Haven Springs vivre avec lui, avec une nouvelle vie en tête. Malheureusement, ça ne se termine pas comme prévu puisque son frère Gabe va décéder dans un éboulement, dans une explosion provoquée par la compagnie Typhon qui font exploser les montagnes pour les mines. Et dans le second chapitre, on a pu apprendre que Mac, qui est un énorme connard, a effectivement répondu à l'appel, mais il a menti sur le fait qu'il ne l'avait pas reçu parce que Typhon faisait pression sur lui. Maintenant, la question, c'est pourquoi ils auraient fait exprès de faire exploser tout ça. Quelle est la vérité? Nous allons le découvrir, et je pense déjà qu'on a une piste avec la madame qui est arrivée à Haven Springs avant nous. On va donc continuer, découvrir finalement la suite, le troisième chapitre. Donc on a eu face A, lanterne, et du coup on va découvrir le troisième. Chapitre 3, monstre ou mortel. T'as un super pouvoir. J'ai eu trop peur. C'était fort de ma... Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, hein? Est-ce que Ryan et moi, on a l'air du genre à se foutre de ta gueule? Tout est vrai. D'accord? Alors, dis-moi ce que je ressens, là. Tu es... incrédule. Elle arrive à le faire comme ça, maintenant. Tu... Et un peu contrarié, en fait. Ça te blesse qu'on t'ait rien dit avant maintenant, que ce soit vrai ou pas. T'aimes pas être exclu. Bon. Ok. Oh putain, la partie de Babyfoot, tu savais exactement ce qu'il fallait faire? T'avais besoin de te concentrer sur les souvenirs positifs, plutôt que de te noyer dans ton chagrin. J'ai pensé que ça t'aiderait. Ça m'a aidé. Mais préviens-moi la prochaine fois, d'accord? Ok. J'aurais jamais cru avoir une amie avec des pouvoirs flippants. C'est dingue. Bon. Quelqu'un a vu Diane aujourd'hui? Non. Mais elle était là hier, elle travaillait sur son ordi. T'as dit qu'elle avait peur de quelque chose lié à la mort de Gabe si elle couvre Typhon. Je parie qu'il y a des preuves. J'espère bien. Il faut qu'on prépare un plan au cas où elle viendrait aujourd'hui. En attendant, je dois finir mon service. On s'en occupe. En plus, le barman, c'est la meilleure position pour en apprendre plein. Il faut que je justifie mon salaire. Je devrais laver la vaisselle sale qui traîne dans le bar. Regardez, lire. Jed, merci beaucoup d'avoir pensé à mon anniversaire la semaine dernière. Cette tequila Marco Esconda est excellente. Passe quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu. Ton meilleur cuisinier est de loin, Francisco. Ah merde, j'en ai azerti. L'eau du Colorado. Colorado. Je suis pas convaincue que ça soit très hygiénique, mais qu'est-ce que j'y connais? D'ailleurs, c'est arrêté ça maintenant. Les cacahuètes en libre-service, parce que justement, les services sanitaires, à chaque fois, ils faisaient des analyses, ils retrouvaient traces d'urine et autres choses qu'on a vraiment pas envie de trouver là-dedans. Qui vérifie les observations? Parce que du coup, les gens, vraiment, bah, ils allaient aux toilettes, puis ils ne se lavaient pas correctement les mains, et est-ce que tu remets ma victoire là-dedans. En question? Et du coup, ce n'est plus autorisé. Le festival ça, je sais, parce du que printemps approche. Il approche, je vous dis. Et on m'avait raconté ça, je sais plus si c'était en cours ou en cuisine. C'est l'heure du bain. Ah, l'ornithologue, elle est là encore. Prends-toi ça dans les dents, Ryan Lucan. C'est moi l'ornithologue de l'année.
Ton règne est terminé. Oh oh. Je ferais mieux d'éviter de dire à Ryan que je l'ai aidé. C'est trop bien, du coup on a un nouveau sentiment de joie finalement. J'ai tellement de peine pour Eleanor. Et je pense pas que ça va s'améliorer. Ouais. Si j'arrive à trouver de l'aide toute seule, Riley n'aura pas besoin de savoir que je suis malade. Je ne serai pas un poids. Ça me fend le cœur de l'avoir géré ça toute seule. Ouais, là c'est dur. Hein. Bonjour Eleanor, comment ça va? Ça va bien. Merci ma chérie. Merci encore d'avoir été là pour m'aider il y a quelques semaines. Ça m'a vraiment touchée. Mais de rien. Contente de vous avoir aidée. J'ai tellement de peine pour Eleanor. Et je pense pas que ça va s'améliorer. Eh oui. Étudiant. Where are you, girl from Rome? Oh. Qu'est-ce qu'elle me manque, cette chanson. Il la passait tout le temps, à l'époque. C'est bizarre. Je l'ai jamais entendu. Jet sait peut-être où le disque est passé. Ah. Je me demande quelle chanson c'était. Je peux peut-être le découvrir. Tiens, bah, en parlant du loup. Le meilleur patron que j'ai jamais eu, de loin. Mais en même temps, la barre n'était pas bien haute. T'as déjà échangé les pièces de 25 cents qu'il y avait dans la caisse? Tu peux le faire, miss. Ah. Dis... Où est-ce que tu ranges les CD qui sont pas dans le jukebox? Nulle part. Tout ce qu'on a est dans le jukebox. Cool. Simple curiosité. Ah non, il en manque un. Missing. Avis du conseil municipal de Haven Springs. Le Black Lantern sera fermé le dernier jeudi de chaque mois de 8 à 11h30 pour les besoins du conseil municipal. Veuillez faire part de toute question ou inquiétude au président du conseil, Jade Lecan. Merci de votre compréhension. Ah, waouh, c'est à moitié bugué. Respect à tous ceux qui ont choisi de faire du sport en courant. Ah, la peur. Je peux pas aller courir. Tout le monde verra à quel point je suis mal à l'aise et essoufflée. Laisse tomber. J'ai connu ça. Je peux peut-être l'encourager. Dites, je peux vous poser une question? J'ai toujours été trop complexée pour essayer de courir. Vous avez l'air d'une pro. Vous auriez des conseils? Oh, il faut surtout pas que vous vous laissiez arrêter par ça. Motivez-vous et n'abandonnez pas. Je vais essayer. Merci. Je vous comprends. Vous n'êtes pas la seule. Je crois que mes conseils l'ont aidé. Appétissant. Je suis toujours aussi deg que Steph ait gagné au jeu. Non, il en manque un. C'est vilain de mentir, Jed. Ouais. On va nettoyer ça, puis on va demander à Jed. Tiens. Ah bah non, j'ai pas terminé. Elle est là. Ah non, j'ai pas terminé les interactions. Non, je pense que c'est... Salut. Bonjour. J'arrive tout de suite. J'aurai le temps de terminer ou pas? Je devrais aller voir Steph et Ryan. Ok, c'est bon. J'aurai le temps de terminer. Ce qui est peut-être un succès par rapport au... Ah, tu sais quoi? Le meilleur patron que j'ai jamais eu, de loin. Mais en même temps, la barre n'était pas bien haute. Ah, maintenant, je peux pas lui demander. La tristitude. Il a parlé de pièces dans la caisse. Bah, je sais pas comment faire, là. Je suis toujours aussi deg que Steph ait gagné au jeu. Parce que du coup, moi, je pensais que ça allait pouvoir me faire... C'est vilain de mentir, Jed. Je pense que c'est celui-ci, en fait, qui manque, hein. Il y en a plein d'autres en fait que j'ai jamais eu.
Bah, je sais pas. Je peux pas lui demander. Where are you, girl from Rome? Je me demande quelle chanson c'était. Je peux peut-être le découvrir. Ah, mazette de cacahuète. Je sais pas comment faire. C'est pas que je veuille me focaliser juste là-dessus, mais Typhon peut aller se faire foutre. Oui, à la mesure 39. La mesure 39 créera des centaines d'emplois à Haven Spring au cours des 10 prochaines années. Choisissez l'emploi pour Haven, financé par Constant Energy Colorado. Ouais. Ah. Trop top ce blouson. J'imagine que le boss man, c'est Jed. Qu'est-ce que vous voulez que je fiche d'un blouson avec mineur maudit écrit dans le dos? Ma foi, j'en sais rien, boss. Vous pourriez essayer de le porter. Et le mineur. Comme nous. Vous croyez que je veux afficher mon affiliation avec votre groupe de crétins devant tout le monde? J'ai une réputation à tenir. C'est stylé quand même. Hein. Je t'aime, Gabe. Ah, ils lui ont fait une plaque. Gabriel Chen. 93 à 2019. À la mémoire de Gabe Chen, qui était un inconnu quand il est arrivé dans ce bar, mais il l'a quitté en faisant partie de la famille. Oh, c'est si triste. L'intégrité, nanana, bon allez, allez vous faire foutre, la manie, votre propagande de mes fesses. Steph et Ryan, les derniers intronisés. Gabe serait tellement fier. Je t'ai essayé de comprendre, mais oui, en fait, ils sont totalement morts, j'ai pas fui les pierres. On dirait que Ducky s'y met plutôt que d'habitude aujourd'hui. Votre ardoise a atteint les 6 chiffres, Ducky. T'es clopinette. Je vise les 12. La soirée va être longue aujourd'hui. Comme toujours. Chaque année, c'est pareil. C'est le festival du printemps ce soir. Je me demande ce qu'il a. Hé, hey, Ducky. Est-ce que vous allez bien? Bien sûr. Mieux que jamais. Ok. Ça me rassure. Pauvre Ducky. Je me demande ce qu'il a. Ça va ? La soirée va être longue aujourd'hui. Comme toujours. Chaque année, c'est pareil. Jed fait comme s'il était aux commandes, mais tout le monde sait qu'il prend les décisions ici. MDR. Ok. Qui a failli me faire perdre ma première paix. Heureusement que Jed s'en est mêlé. Ah, elle. Pauvre Amelia. On peut toujours interagir avec la plaque, ça me termine. Je voulais te dire, j'ai commencé Dust and Delight. Ouais, bah c'est les mêmes gars qui parlaient du jeu vidéo là. Tu déconnes. J'en suis déjà aux collines verdoyantes. Quoi? Oh putain, t'es sérieuse? Ouais, je suis devenue accro. C'est un bon jeu. Je. J'avais pas vu derrière la création. Trop content que tu l'aimes. Ouais, il me plaît beaucoup. Les personnages secondaires, mais c'est intéressant parce que du coup on les a entendus parler d'un jeu la dernière fois. Ah oui, l'autre il voulait qu'il joue. Le détenteur légendaire du meilleur score. Q. Ah, ah oui. Charlotte doit se préparer pour le GN. Salut. T'es en train de te préparer pour le GN? Oh, salut. Ouais. J'essaie. Ça devrait changer les idées à Ethan. Est-ce que tout va bien? Ouais. T'inquiète pas, je suis sûr que ça lui plaira. J'essaie de voir ce qui est écrit, mais... Spells... Divination... Nécromancie... Et... Healing. Ok, donc c'est différentes... J'espère que le GN se passera bien. Il mérite de s'amuser. Mais là, j'aurais voulu trouver de... le chant du jukebox, mais... Bon, on a regardé. Steph et Ryan m'attendent. Je vais aller les voir. Il m'a dit que tout était dans le jukebox, mais il en manque un. Mais à mon avis, il doit trouver un moyen.
Et je sais pas comment faire. Voilà, il y en a un autre. Alors, essayez. Né pour être un rebelle. Mais je sais pas. À mon avis, pour moi, c'est le truc qui manque, mais... À part dire « Jed, t'es un menteur », je peux rien faire d'autre, j'ai trop le seum. Je suis quand même sûr qu'il y a un truc à toi faire que j'ai pas pigé. Donc le nom de la chanson. C'est vilain de mentir, Jed. Ouais, ouais. Là, je sais pas comment faire. Je le sais pas. Ah, chanson. Eh, hey, vous connaissez une chanson qui fait... Where are you, girl from Rome? Oh putain, alors ça, ça remonte. Alabaster Daydreams. Mon père adorait cette chanson. Gabe l'a passée en boucle rien que pour lui casser les pieds. Il a fini par ne plus la supporter au bout d'un moment. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait du CD? Jed a fini par le sortir du jukebox et le planquer quelque part. Tu peux lui demander. Super, merci. Ah ouais, ok, fallait que je demande à elle. Dis, patron, est-ce que les mots Alabaster Daydreams te disent quelque chose? Nom d'un chien. Tel frère, telle sœur, hein? Bon, je suppose que j'ai eu assez de répit, il est quelque part derrière le bar. Merci. Ah oui, là. Désolé, Jed. Le peuple a parlé. Allez, écoutons cette fameuse chanson. Trop, il est passé la chanson à laquelle pensais-tu, donc? Petite victoire dont personne ne sera jamais au courant. C'est ça, Alabaster Daydreams. Non, mais comment? Y'a pas de quoi. Okay. Ah, c'est qu'on entend un peu de façon sourde. C'est quoi le plan? Eh bien, on a deux plans en fait. Mais... on bosse encore dessus. C'est bien d'avoir le choix, non? Alors, c'est plan. Ok. Alors, écoutez, voilà mon plan. Je demande à Diane de sortir avec moi. Hein? Quoi? Et elle est tellement emballée qu'elle remarque pas qu'un certain Ryan Lucan lui pique son ordinateur. Ryan amène l'ordi en question à l'étage, rempli de preuves accablantes. Et peut-être que Diane et moi, on passera la nuit ensemble. C'est un détail. C'est ça ton plan? Délirant. Par pitié, dis-moi que t'as un meilleur plan. Ouais. Alors, soyons clairs, c'est le même plan. Sauf que... c'est moi qui sers d'appât. Ouais, c'est déjà un peu plus... Steph, écoute, je pense pas qu'elle soit gay, d'accord? Elle doit certainement aimer les montagnards à la beauté sauvage. Comme toutes les filles qui viennent à Haven. Waouh. On va continuer à plancher. Hein. Bon, vous avez peut-être besoin de réfléchir plus longtemps. Quoi? C'est simple comme plan, il y a littéralement que deux étapes. Il faut juste que tu choisisses l'appât le plus alléchant. Ouais, même pas en rêve. Et il n'y a que toi qui puisse nous départager. J'ai pas pensé à lui parler avant. En vrai, moi, je dirais quand même Ryan. Hein. Pour moi, Ryan...
je choisis Ryan. Évidemment que t'es à tomber, Steph, mais pour Diane, Ryan est un meilleur choix. Ce Ryan ? C'est un cauchemar. Écoutez, merci de vos efforts. Mais on sait même pas si elle a quoi que ce soit qui vaille la peine d'être volée. Je vais essayer de lui parler. J'arriverai peut-être à l'énerver et à lire ses émotions. Si j'ai besoin d'une diversion, je vous le dirai. Bonne chance. J'ai oublié d'aller lui parler, en plus je suis trop dégoûté. Ta boisson habituelle. Merci Alex. Quel est le meilleur moyen de l'énerver ? Aidez-moi pour Gabe. Tu sais que je veux obtenir justice pour mon frère. Aide-moi. Je t'en prie. Alex, je te garantis que Typhon s'est engagé à mener une enquête complète et transparente. Complète et transparente. Nous voulons trouver les responsables et les faire comparaître devant la justice tout autant que toi. C'est la vérité. Contrairement à Mac, elle ne laisse rien transparaître. Mais on va voir ce qu'elle ressent réellement. Je vais d'abord essayer de lire ses émotions. Avant de continuer, je devrais essayer de lire les émotions de Diane. Pauvre Gabe. Personne ne mérite de mourir comme ça. Elle est triste. Si elle continuait à penser à la mort de Gabe, j'en apprendrais peut-être plus. Oh, c'est une jolie photo. Ma nièce et mon neveu. Ils sont adorables. Elle est jolie, ta croix. Ah, merci. Un mec qui la stalk. Est-ce que tu as assez de serviettes pour la table ? Oui. J'ai ce qu'il me faut, merci. Typhon embauche beaucoup de main-d'œuvre locale, non ? On est en pleine croissance. William Bloom. Gabe l'adorait. Je crois qu'il avait passé une année entière à n'écouter que lui. C'est vrai ? Il avait bon goût. Ça m'étonne qu'on n'en ait jamais parlé. Je parie que Gabe et toi, vous en avez descendu pas mal. C'était un excellent barman. Il rendait mes journées de travail plus supportables. Il y a un dessin et j'ai pas eu. Black Lantern. Pas Ethan. Est-ce que tu participes au GN tout à l'heure ? Ça a été très difficile pour Ethan. On espère que ça lui remontera le moral. Je ne peux pas. Mais bonne chance. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Ok. Maintenant, il faut que je choisisse quelque chose qui fera sortir Diane de ses gonds. Ah, la plaque. Il me la faut apparaître maintenant. Écoute, je sais que t'es pas quelqu'un de mauvais. Mais mon frère est mort à cause des décisions que Typhon et toi avez prises. Qu'est-ce que ça te fait de le savoir ? J'aimerais vraiment comprendre. Alex, je... Nous... Typhon fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à la situation. C'est la vérité. D'accord ? Ah. Ah. Voilà l'émotion que je cherchais. Je vais explorer la culpabilité qu'elle éprouve par rapport à Gabe. Ça y est, on va en apprendre un peu plus, visiblement.
Ça vient à finir par avoir de moins en moins peur de ce pouvoir et à savoir l'utiliser. Bon, allons découvrir ce que Diane cache réellement. Allô ? Diane, c'est le shérif adjoint Pike. Pike, excuse-moi, mais on est vraiment très occupés en ce moment. Il y a eu un accident. Et quel genre d'accident ? Il est venu ici en quête d'une vie meilleure. Comme moi. Il est parti. Et moi, je reste. Attends, il y a autre chose. Ah. Je ne peux pas défaire ce que Typhon a fait, ni le rôle que j'ai joué. Et voilà. Mais au moins, j'ai tout ce qu'il me faut pour me protéger d'eux. Putain, elle doit avoir des preuves sur cette clé USB. On dirait qu'il va me falloir une diversion au final. Ça, c'est pas trop bizarre, le fait qu'une fille stalk comme ça, je t'en fasse d'elle. Ok, c'est censé être barman, ça me termine. C'est un peu incohérent. Mais... C'est tellement gênant. Salut Ryan, ça va ? Si tu es libre plus tard, je me suis dit que on pourrait aller faire une rando. Il y a des sentiers magnifiques dans la montagne. Oh, ce serait une bonne idée. Non, pas balancer que ça en requiert. Vous allez vous amuser. Parce que Ryan est incollable sur la faune et la flore de Haven. J'ai un peu pitié pour elle, là, du coup. Ryan, parle-lui de la faune et de la flore. Ah, eh bien... Ah, ça, je trouve ça tellement gênant. Cet oiseau-là, c'est un jet épinède du Colorado. Son œsophage extensible lui permet de stocker jusqu'à 40 graines à la fois. Mais qui dit... Très impressionnant. Alors ? Tu en dis quoi ? Hé, hey, y a pas le feu. Il va pas s'envoler. Réfléchis-y et dis-lui. Bon, faut que je file. À plus. Oh. Ah, j'ai un peu pitié pour elle. Oh là là, parce qu'elle est, elle s'est vraiment dit... Il s'intéresse à moi. Et vraiment, il s'est tiré juste comme ça. Oh là là là. Incroyable. C'est donc ça, aborder une femme, mon dieu. Et c'est donc pour ça que je suis toujours célibataire. Chut. Chut. L'autre, j'ai dépilé. Putain, c'était mythique. Un truc de ouf. J'ai le cœur qui va exploser. Ryan, sans deck. Je crois que tu plais vraiment à Diane. Bah ouais. Je sais, je reviens pas. Les amis, c'était à mourir de rire, oh mon dieu. J'espère que ça valait le coup. Mais ouais, ça valait le coup. Il faut un mot de passe. Ça m'étonne pas du tout. Je vais la porter à Riley, voir si elle veut bien nous aider. C'est un génie de l'informatique. En attendant, on a un GN à faire. Prends ton chapeau et retrouve-moi au parc. Et oublie pas ta guitare, d'accord ? Une question. Est-ce que je pourrais garder le chapeau ? Après le GN ? Ça dépendra de comment tu te débrouilleras. Waouh ! J'accepte le défi. Bon, dis-moi, t'as fini le truc ?
Ouais, de justesse. J'y ai passé la nuit. Ça faisait des années que j'avais plus travaillé comme ça. Bon, il faut que je prenne ma guitare et le chapeau que Steph m'a filé. Waouh. Typhon décharge officiellement Typhon de toute responsabilité dans la mort d'un résident provoquée par des explosions déclenchées par Typhon. Le bureau du shérif aimerait brièvement vous tenir informé de la progression de l'enquête du décès de Gabe Shen. La mort de Monsieur Shen a été officiellement classée comme étant accidentelle. L'enquête suit cependant son cours et nous encourageons les membres de la communauté en possession d'informations importantes à se faire connaître et à nous faire part. Notre objectif est désormais de comprendre les événements qui ont mené au décès de Monsieur Shen dans le moindre détail, afin d'éviter tout accident au futur au sein de notre communauté. Comme indiqué plus haut, l'objectif est désormais de réunir suffisamment d'informations. Ok. Retourne dans ton cocon. Waouh. Ça me termine. Les mecs savent pas se tenir. Nous vous serons enfermés, nana. Ouais. Mais c'est bien un jeu d'action. Quoi ? Ça s'appelle un GN, papa. Je le sais, c'était un test. Ah oui, d'accord, oui. Je suis en train de chercher pourquoi est-ce que... Oui, parce qu'en fait, le Black Lantern, donc du coup, on peut dire que c'est lui qui l'a écrit. Du coup, il a marqué jeu d'action au lieu de GN. Oh là, ça me fait vraiment rire. J'aime beaucoup, parce que franchement, les interactions, au final, elles sont bah, vraies, quelque part, reflètent un peu bah, ce qui pourrait vraiment arriver, quoi. Même si avoir des super pouvoirs n'existe pas. Mince, personne ne m'a jamais donné de rose au festival de printemps, Hector. Ne t'en fais pas, personne n'a jamais donné à rien non plus. Ah, on verra bien qui ira ce soir. Moi de toi. Ouais, sûrement. Mec, t'es plus drôle, c'est pas drôle de se foutre de ta gueule si tu ne te défends pas. Ah oui, ouais, parce que du coup, on va pouvoir apporter une rose et avouer notre amour. Volontaire du gène, certains d'entre vous ne m'ont rien dit sur leur personnage. Ça va être juste les gens. Contactez-moi. Ah, Stéphanie, j'ai écrit une histoire exhaustive sur mon personnage, en partie inspirée de passage de la pérénigration vers l'ouest de Yuchen. Cependant, à chaque fois que j'essaie de l'ajouter à mon formulaire, je reçois un message d'erreur disant que j'ai dépassé la limite de caractère disponible. Bon, je sais comment occuper mon après-midi. Tu peux apporter un exemplaire de l'affiche au magasin? J'arrive. De qui il est parti en vrille? Évidemment. Quelle bande de connards. Meilleur job de toute ma vie. Même si... Bon, y a pas vraiment de concurrence. Chen qui a quitté le poste de service à plein temps au Black Lantern. Ouais, bah normal, en même temps tu squattes l'étage, puis effectivement, on propose un truc. T'as déjà dit que j'avais joué dans un film de science-fiction. Attends. Passer une heure, ok. Je revenais tout juste de Corée lorsque le réalisateur Julius Alan Silver m'a repéré dans une quincaillerie. Il m'a dit « Monsieur, mais avez-vous déjà songé à faire des films ?» Évidemment, je n'y ai jamais songé. Mais à cette époque, je voulais croquer tout ce qui se présentait devant moi à pleines dents. Si je puis-je dire. Alors j'ai dit oui, évidemment. Le film s'appelait « Les envahisseurs de la planète mécanique ». Je crois que j'ai encore les pellicules qui débarrent. Si tu veux organiser une projection. De qui, franchement, je n'ai jamais rien autant voulu de toute ma vie. Ça m'intéresse. J'ai déjà plein de choses à te faire faire, gamin. Oh. MDR. Il a joué dans un film. What the fuck. C'est tout le monde, j'essayais de surprendre. Suspendre les commissions, le portrait pour un moment. Il faut que je fasse mon canne. Comment on en a. Ok. Tant de souvenirs de Gabe que j'ai pas eu l'occasion de créer. T'es ému. Mais qui était trop gêné pour l'admettre. La dernière fois que j'ai pleuré, j'avais genre 14 ans. J'ai des allergies. Ne me regardez pas. Il va me manquer beaucoup. Excellent, les fameuses. Putain, il y en a plein de messages. Ravi d'avoir pu aider. Ah ouais, on a retrouvé le chien. Mais les bisous, c'est pas trop mon truc. Iron à la nana, ah oui. Effectivement, les pas fous. Ok, je pense que là on a tout vu. Ouais, je peux utiliser ça.
Ok, bon, on a fait le tour. Ensuite, ici. What the fuck? Oh, trop de messages. Riley. Il y a beaucoup de messages. Alex, je suis désolé. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas, s'il te plaît. Salut, comment tu te sens? Salut, Riley. Ça va plutôt bien, en fait. Merci, et toi? Bien, je croule sous les fleurs. Au secours! MDR. Bon, question au pif. Réponse au pif. C'est toi, princesse chouchou 2539? OMD, comment t'as fait? Oh my god, plutôt. Oh mon dieu, plutôt. Comment t'as fait? MDR. Non mais sérieux, comment? Tu m'as montré chouchou quand t'es passé quand je suis passé te voir, tu t'en souviens? Et 2539, c'est Alex sur lequel du téléphone. Débasqué. Donc tu joues à Dust and Deadlight. Je te voyais pas comme une fan de JRPG. Moi non plus, je l'ai trouvé ici et je me suis dit qu'il fallait que j'allais essayer. Et maintenant je suis accro. Je croyais que je jouais qu'en solo. Tu as dû activer les guides spirituels parce que je te voyais errer sur le port au nuage. Ah, c'est trop cool, on pourra jouer ensemble. Je suis coincé au gros boss. Avec plaisir. Salut meuf. Merci pour le verre hier soir. C'était super de se détendre avec toi. Rien. On se refait ça. Alors, ça c'est marrant parce que du coup, ils en parlent à plusieurs de ce jeu là. Dust. On a entendu des mecs random là en parler. Faire les mecs second plan parler là. La dernière fois dans le chapitre 2, on a entendu parler chapitre 3. Visiblement, nous on y joue et Riley aussi. Bon. La vie continue. Est-ce que c'est pas une référence à quelque chose? C'est ça que je me demande. Je crois qu'Ethan va tourner. Eh, on va pas croire qu'on a fini de jouer au Babyfoot, on reste rival. Je veux bien que tu rattrapes après tout. Tu remets le couteau dans la plaie, Steph. Aïe, c'est pour le fun. J'aimerais continuer à jouer avec toi. Tu viens ce soir? Carrément. Alex, je commence à animer une partie de Tunnel et Chamber cette semaine, ça te dit? Salut, je sais pas du tout ce que c'est. Tu t'assois avec plein de trucs à grignoter, tu joues dans une histoire cool. Tu fais semblant de tuer des monstres en résumé. C'est grave si je suis nul. 1. Tu seras pas nul. 2. Viens voir notre première session, ça sera. On verra après. Super, t'es libre ce soir? Je vois Ryan et je voulais te tenir au courant de ce qu'on a déterré sur Typhon. Carrément, je veux vous aider. Yo! Loot. C'est marrant ça. Ça te dirait d'apporter la guitare au magasin et de jouer un peu? Genre devant les autres. D'autres êtres humains vivants? Juste devant moi, un seul être humain. Ça fait longtemps que j'ai plus joué devant des gens. Je suis peut-être chiante sur pas mal de trucs, mais je te juge pas. Allez, pourquoi pas? Quelle heure? N'importe quand dans la soirée, j'y serai. Je crois que j'ai besoin d'une autre session de guitare ce soir. Tandis quoi, je dis oui. Super idée. Oh putain, rien à craindre, promis. Ok, bon, du coup, les relations continuent entre eux. C'est cool aussi. Oh, il y a plein de messages. C'est abusé. Carrément, dis-moi, oui, quand? Salut, ça te dit de faire des pauses entre deux séances de recherche nocturne. Tu veux faire du vélo dans les montagnes, ça te dit? Tu vas t'amuser, c'est promis. Oh, je veux bien essayer. Mal au cul, d'ailleurs. Tu t'en es tiré comme une pro. C'est un peu dernière minute, mais ce soir, je regarde un documentaire génial sur la nature comme chaque année, ça te dit. Et étrangement, c'est la troisième année d'affilée que Steph a autre chose de prévu. Je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est le mérite d'un Britannique pompeux? Il n'y a pas plus pompeux. Bonne réponse, compte sur moi. Mac, merci de ton aide, Chen. N'oubliez pas, je t'ai rien dit. J'ai esquivé plus que mon jeu avant de parler. Sauf qu'il n'y a pas d'image. On a pris des bonbons, on a pris de la drogue. Alors, je lis rapidement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu veux manger chez nous ce soir? Super, avec plaisir, j'amène quoi? Juste toi et peut-être du vin, d'ailleurs ce soir. Tiki, est-ce que tu pourrais t'occuper des tannes? Avec plaisir, bien sûr, tu veux la recette, nanana. Ah, elle est barre au citron. Tu as pris d'autres choses avec toi de l'école de Dominique? Je suis grignoté. Inspire bien à fond, prends un verre d'eau et range-toi. Ah oui, bah elle a pris. Elle était complètement défoncée. Et on a des messages groupés. Salut les gens, je vous souhaite officiellement la bienvenue dans le chat à Batifon. Ouais, c'est un honneur et un plaisir. On va s'asseoir chez Alex. Ça devrait pas être à Alex de proposer. Trop tard. Bon, bah, on me dirait que je vous invite. Vous êtes libre ce soir de continuer à comploter? Ça, je compte sur moi, j'ai une idée folle. Et si on s'intrusait dans les bureaux de Typhon 1.2.2? Je pense à tout. Je parie qu'ils ont accès au serveur là-bas. On pourrait trouver les preuves. Steph, on va pas conduire jusqu'à Denver pour s'introduire dans les bureaux hautement sécurisés. Bouh.
Mais si on le faisait, je pourrais conduire la voiture pour qu'on s'enfuit. Ouais. Mais Steph, ton permis est expiré. Comment tu sais ça, toi? Parce que c'est un gros blaireau. Un blaireau avec un permis valide. Fumez tous les deux. Feu vert pour le plan. Diversion, diversion. Bon, il complote. Je sais plus si on a lié. Eleanor, la peur. Pensez à toutes les fois où vous avez oublié ce que vous avez apprêté à dire. Ou pourquoi vous étiez entré dans une pièce sous le nom d'une personne que vous avez vue des millions de fois. On appelle ça un bug du cerveau. Une façon marrante de dire que vos synapses ont fait un raté collectif. En réalité, on se retrouve vraiment désemparé. C'est ce qu'a ressenti Eleanor au magasin de fleurs, mais plus intensément. Un sentiment de terreur désemparée. Peu de gens parviennent à gérer ça sans s'effondrer. Et Eleanor est forte. Elle est têtue aussi, mais surtout très forte. Je n'aurais probablement rien remarqué si je n'avais pas pu lire son aura. Je l'ai guidée hors du brouillard. Quel soulagement! Mais elle a oublié que Gabe était mort. Et là, mon estomac a fait un salto arrière. Lui dire a été une véritable torture. Tout revoir comme si ça venait juste d'arriver. Est-ce que la vérité valait tout ça? Je ne sais pas. En y repensant, je me sens impuissante à nouveau. Quelle douleur lorsque je pense à l'avenir, lorsque j'aurai oublié ce lien, quand les sons de tambour ne seront plus ouïr, quand j'aurai oublié ton visage radieux. Ryan, rage. La colère de Ryan a des dents acérées. Elle est vive, féroce et dirigée contre lui, comme un animal enragé qui a coincé sa proie. Et comme il était persuadé d'avoir mérité cette colère, il était prêt à se laisser dominer par elle, à se laisser dévorer. C'était un sentiment étrange de retrouver la silhouette de Gabe dans le vide qu'il a laissé derrière lui. Je veux plus que j'en ai eu. Ryan l'a eu. Il a eu Gabe tout entier. Un Gabe bien vivant qui s'occupait de son espace. Et puis ensuite, il a eu le couteau, la corde, le ravin, les seules choses au monde. Il se détestait. Je lui ai dit la vérité, que Gabe lui aurait pardonné, qu'il n'était pas seul. Je suis là pour assurer la sécurité des gens. Pas un héros, je suis un lâche. Gabe est mort et c'est de ma faute. Je n'arrête pas de me dire que tu es mort par ma faute. Tu n'es pas là pour me pardonner. Je ne sais pas comment me rendre au pays des morts. Je ne sais pas comment continuer. Ryan, joie. Par quoi commencer? Cette aura dorée, la façon dont la douleur et la tension se sont effacées du visage de Ryan peu à peu. Et le rire, la joie secrète du moment où Ryan a décidé de transformer une bêtise en blague. Confiance qu'il accordait à Gabe. L'amour qu'il lui portait. La certitude qu'il pouvait se foutre de la gueule de Gabe impunément, que Gabe l'adorait de l'avoir fait. J'ai retrouvé le morceau de ce souvenir caché dans les nuages de la bernache, la voiture, la tombe, l'espace d'instant, j'ai pu connaître le genre de rapport que Gabe et Ryan avaient. Je lui en suis si reconnaissante. Ce matin, je croyais que tout ce que je connaîtrais des autres serait leur douleur. Je pensais pouvoir vivre avec ça. Si ça voulait dire aider les gens, honorer la mémoire de Gabe. Mais après, j'ai découvert cette émotion. La joie comme un radeau. Une poche d'air à la surface d'un lac souterrain. Tout a changé maintenant. Elle appartient à la couronne, ça en fait du sang. Gendarmerie royale du Canada peut repérer une tombe de BH à 100 pas. Oh, elle est débile. Après, il y a Diane, tristesse. La culpabilité est un effet tellement étrange, elle est toute urgence tenaillante. De la colère et tout un poids écrasant, la tristesse, chaque émotion, annulant l'autre jusqu'à ce qu'on retrouve paralysé, cloué sur place. C'est un atroce fardeau que je ne souhaiterais à personne de devoir porter. Mais Diane le mérite presque. Elle voyait Gabe, une sorte de jumeau, un autre étranger, traîné à Ivan Spring, qui avait trouvé comment s'y bâtir un foyer. Il manquait aussi le fait... Il lui manquait aussi, en fait. Elle ressent aussi le vide qu'il a laissé derrière lui. Ça la déchire, mais que fait-elle face à cette douleur? Elle se replie sur elle-même et renforce ses défenses. C'est tout ce qui compte pour elle, sauver sa peau. Elle aurait pu être quelqu'un de tellement meilleur. Mais après tout, c'est peut-être aussi mon cas. J'ai tendu un piège à Diane. J'ai fait ressortir sa peine et je l'ai forcée à y faire face. Peut-être qu'elle était naïf de penser que ce pouvoir était essentiellement désintéressé. Maintenant que je sais que je peux l'utiliser pour manipuler quelqu'un comme ça, je ne suis plus certaine de l'aimer. Ouais, c'est vrai que c'est dur parce que du coup, tu peux l'utiliser vraiment pour manipuler les gens et savoir vraiment ce qu'ils ressentent et tout. Bon, beaucoup de parlotte, beaucoup de textes, droite à gauche, et aussi souvenirs. Bon, je vais peut-être pas le lire parce que là, j'ai un peu la flemme, on va juste l'afficher. Avec Jed. Mais bon, au moins on aura fait le tour, on aura visualisé différentes choses, à continuer à apprendre différentes choses. De qui me l'a offert pour me remercier d'avoir retrouvé sa bouteille? C'est une façon très originale d'exprimer sa gratitude. J'adore, c'est trop marrant, le petit souris qui boit. Excellent quoi. J'ai trouvé des photos adorables de Gabe et Ethan là-dessus. MDR, il y a le fond d'écran qui bouge. Truc psychédélique à moitié.
Je sais que c'est le jeu des Tan, mais je suis au niveau 73 et je m'arrêterai pas. Sword of Dust and Light. Vous êtes adolescent uniquement. Je crois que j'aille voir. Je crois que j'ai rangé le chapeau là-dedans. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. J'ai pas réussi à battre Steph une seule fois. Ça veut dire que je vais forcément gagner la prochaine fois. Steph me l'a acheté pour rire, mais finalement, je crois que je l'aime bien. Je sais même pas si ça se fait comme ça, mais il fallait que je fasse quelque chose. Ouais, un petit hôtel, ouais. Vivre à Haven serait bien pire, sans ces deux tarés. C'est dommage qu'il n'y ait pas Gabe, quoi. Un cadeau de bienvenue de la part d'Eleanor. Elle m'a dit que Gabe les adorait. Ouais, ils ont refait le puzzle, MDR, avec eux, pièce manquante. On approche du but. Alors, liste, c'est pas du tout du sabotage industriel, non, non, non. Découvrir ce que trafique Diane, peut-être en la lisant. Alex, en cours. Vérifier qu'il y a des signalements d'accident chez Typhon dans les archives publiques. Ryan, recours juridique pour porter plainte contre le siège de Typhon. Ryan, droit d'entreprise, c'est compliqué en fait. Contacter une détective privée, Steph. Les trois qui j'ai parlé ont des prix dément. Passe. Se renseigner sur les autres sites de Typhon aux... Je sais pas ce que c'est. Étranger. Espionnier mineur, Black Lantern. Tu veux que je me fasse virer? Non. Trouver un hacker d'élite sur le dark web, Steph. J'ai pas réussi à comprendre comment ça marchait. Fais une pause et regardez les griffes de la nuit. Fais, et j'ai adoré. Demandez une copie au rapport de police complet, Ryan. Est-ce que Avan pense au Typhon? Sondage radio, Steph. MDR. Excellent. Steph, je vais te tuer. Alex, Steph m'a dit que tu serais d'accord pour jouer à notre prochaine soirée Open Mic. Je parie que ça aiderait les gens à se détendre et à briser la glace. Tu peux le faire, Jed. Taverne Black Lantern, il y a toujours un droit de bouchon, vide. Sa phrase de fin, je comprends pas la suite, parce que du coup ça se sépare pas. Ah oui, d'accord, il s'est fait balancer, excellent. Oh, bon monté aussi. J'aurais dû suivre le conseil de Steph. Ah. Merci pour la partie de Day Food, vraiment. Ah oui, n'en mange pas plus d'un à la fois. Ah oui, c'est ça, les fameux messages que j'ai vus. J'aurais dû suivre le conseil de Steph. Ah. Bah ouais, t'es acheté, bah ouais, faut faire attention. Waouh, Steph a carrément assuré en organisant tout ça. Ethan va kiffer. Une journée dans le royaume de Khan. Bienvenue voyageur. Aujourd'hui, Taynor, le pourfendeur de monstres, est dans la ville de Pierre-Vive, capitale du royaume de Khan. Saura-t-il se débarrasser de la horde de monstres qui menace la ville, de sauver le royaume? Les bases du GN, un GN grandeur nature, est un jeu dans lequel les joueurs incarnent physiquement leurs personnages à l'aide de costumes et d'accessoires pour s'amuser encore plus. Règles pour votre sécurité. On est là pour s'amuser, ne frappez pas trop fort. Visez les bras, les jambes, le torse, arrière, côte avant. Évitez les mains, les pieds, le cou, la tête. Jouez à le jeu à fond. Si vous recevez un coup, grognez ou faites comme si vous aviez reçu une blessure. Et beaucoup à lire. Non, ça va. Personnage demi-elf, Bard, niveau 1, 10. Effet désaccordé, 1 point de dégâts. MDR. Donc en fait, elle a fait les fiches des personnages. De chacun et chacune. Oh, c'est traduit en français, tiens. Waouh. The Magpie Emporium. Spider with Holly. River Soul. Ah bah c'est chauffé quand même. Je t'ai toujours pas ouvert. Il doit y avoir une clé quelque part. Ah, clé à trouver. Un rat sinistre rejoint votre équipe. S'habiller. Ah ouais, tiens, vas-y. Comme ça, j'aime bien. Bon, on va s'arrêter ici. Ça va être pas mal. On aura fait à peu près le tour de tout. Il faudrait encore aller voir en haut. Mon arme préférée. Ah, Sugar. Steph avait raison. Elle déchire ces meufs. Tu vas les aimer, je te promets, Steph. Ah ouais, c'est comme quand t'as assise. J'ai du mal à savoir où Gabe se termine et où je commence parfois. Son travail, son appart, sa vie ici. Mais s'il y a une jointure quelque part,
C'est avec Steph et Ryan que je la vois le plus. Des fois, quand on est tous ensemble, je l'imagine à ma place. Et je peux assister à la scène, spectatrice d'une vie que j'ai presque pas connue. Mais je peux aussi oublier Gabe, si je veux. Et accepter, même si ça paraît improbable, que Steph et Ryan m'aiment bien parce que je suis moi. Sans autre raison. Tout simplement. Je crois que je sais ce que Gabe préférerait. Bon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à mettre de j'aime, n'hésitez pas à commenter. Allez voir les autres vidéos, les autres Let's Play. On vous donne rendez-vous pour finalement la suite de ce chapitre. On ira voir un peu ce qui nous attend avec le GN, finalement, qui a l'air d'être un peu la trame du chapitre, en même temps qu'on recherche des réponses sur certaines choses. Il y a d'autres musiques, évidemment, à écouter. Peut-être qu'on s'en mettra une prochain épisode. Là, on a fait dans l'ensemble le tour. Il faudrait juste aller chercher le chapeau, je pense, dans la malle, chercher la clé. Et on a le vélo aussi, encore regardé. J'ai bousillé le vélo de Gabe dès que je l'ai pris. Ça aurait bien fait rire Ryan, au moins. Ah oui, effectivement, elle l'a tordu. Waouh. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait. Il y a les mots aussi. Bon, on terminera ça. Prochain épisode, bien que je vais juste faire ça pour un voir. Un jour, j'arrêterai de squatter. En attendant, je lui suis reconnaissante. Ah oui. Payer le loyer, bah ouais, mais bon, c'est important de payer son loyer. Pas juste squatter. Même Ceci est quand même commandant. Pure vache. Je rêve d'un appart comme ça, moi aussi. Hein. Même d'ailleurs. L'appart de rêve. Eh bien, écoutez. N'hésitez pas à toi, j'aime. N'hésitez pas à commenter. Allez voir les autres vidéos, les autres Let's Play. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis ciao, ciao.